Bonjour à tous, merci de vous être inscrits à ce webinaire écosystème sur un petit peu la réforme réglementaire des certificats d'économie de produits phytosanitaires. Alors nous, écosystème, on n'est pas une entreprise qui est spécialisée dans ce qui est réglementaire, on est une entreprise de conseil et de formation en agronomie et en agroécologie, mais on souhaitait faire cette petite mise au point parce que c'est vrai que pour l'agrofourniture, l'arrivée des CEPP, la séparation du conseil de la vente est vue comme une énorme contrainte, mais nous, on pense que vu les enjeux qui pèsent aujourd'hui sur l'agriculture, ça permet de laisser une grande place à l'agronomie, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Alors, pour en parler, j'ai demandé à Benoît, qui travaille chez nous, qui est notre directeur des opérations, de faire un petit peu cette approche de manière générale et puis aussi beaucoup plus opérationnelle. Alors Benoît, est-ce qu'avant de nous parler de la genèse de ces CEPP, tu pourrais te présenter? Eh bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, c'est Benoît Chereau. Donc comme l'a dit Mathieu, je m'occupe en fait de la gestion des opérations au sein d'Écosystème. Donc j'accompagne en fait les coopératives, les négoces et l'ensemble des acteurs du monde agricole, toutes filières confondues, dans des projets de transition agronomique. On appelle aussi de transition agroécologique. Et avant de rejoindre Écosystème, j'ai eu la chance de pouvoir travailler 15 ans dans une coopérative basée dans l'ouest de la France. Voilà, donc maintenant on va passer au sujet, donc notamment CEPP, donc opportunité ou menace tout compte fait, on va essayer de le voir plutôt sous l'angle positif. Donc, mais avant d'aller plus loin, et comment en fait est-on arrivé au dispositif donc des certificats d'économie de produits phytosanitaires? Bah, tout simplement, c'est vrai que depuis pas mal d'années, on s'aperçoit que l'évolution des attentes des consommateurs, des citoyens, souhaite, on va dire, tendre vers un monde agricole utilisant moins, bien sûr, de produits phytosanitaires et pour certains, les plus extrêmes, voire ne plus du tout en utiliser. Par ailleurs, on va dire qu'il y a une consommation en hausse, notamment des produits issus de l'agriculture biologique. Et ça a permis aussi à certaines coopératives, à certains négoces, aussi de diversifier leur offre de débouchés. Et on a aussi certains distributeurs qui souhaitent élargir, bien sûr, leur gamme proposée à la clientèle, soit avec des produits donc issus de l'agriculture biologique, soit avec des produits sans résidus. Quoi qu'il en soit, il y a une évolution des demandes, notamment de la consommation, et une évolution aussi au regard des enjeux liés au réchauffement climatique ou à la préservation de la biodiversité. Et donc, au fil des années, et quel que soit tout compte fait les bords politiques, il y a une continuité dans la mise en place de politiques publiques visant à accompagner la réduction de l'usage donc des produits phytosanitaires. Et en fait, donc il y a eu le plan Écophyto issu de Grenelle de l'environnement, puis après il y a eu le plan Écophyto version 2, puis on a eu le plan Écophyto version 2+, tout simplement parce que en fait la diminution de l'usage en fait des pesticides n'a pas été une réussite. Et même selon le Sénat et selon la Cour des comptes, en fait, le plan Écophyto 1 et 2 ont été des échecs. Tout simplement, la baisse qui était prévue donc de 50% de l'usage des pesticides à l'époque avec un objectif à 2018 a dû être révisée pour être reportée à 2025. Et tout compte fait, pendant cette période-là, la hausse, il y a une hausse en fait d'utilisation des produits phyto. Alors, est-ce que c'est tout compte fait le fait d'utiliser de plus en plus de produits issus de contrôle avec des dosages plus importants à l'hectare? On ne le sait pas. Néanmoins, il y a eu une demande, une révision, et en fait, il y a eu donc l'apparition du projet EGalim qui a entraîné tout compte fait la nécessité de revoir la copie par rapport à l'usage des produits phyto. Alors, c'est vrai que l'évolution en France, en 2012, elle était de 2,2 kg par hectare et on n'était pas forcément sur le podium hein, donc, de l'emploi à l'hectare des produits phytos en Europe. Donc ça, c'est aussi un point intéressant à mettre dans le contexte. Souvent, on pense, ou lorsque les médias prennent à partie le monde agricole concernant l'usage des produits phytos, on pourrait croire que nous avons une consommation peut-être excessive par rapport à certains pays. Déjà, c'est intéressant de prendre ce recul. Néanmoins, si on regarde les statistiques et sur des sources indépendantes, il y a eu quand même une hausse d'usage. Donc, c'est vrai que tout ça a posé des questions, tout compte fait au ministère de l'Agriculture, et d'autant plus
lorsqu'ils ont regardé la mobilisation des coopératives et des négoces dans, par exemple, des projets comme Ecofito ou dans les fermes 30 000, la proportion d'acteurs issus donc des organismes stockeurs était assez faible. En fait, 8% notamment des coopératives et des négoces, ou les coopératives et les négoces, pardon, représentaient seulement 8% pour qu'on fait des groupes engagés dans le projet Ecofito. Donc, le projet issu des EGA, donc des États généraux de l'alimentation, a fait naître ou a fait apparaître, qu'on fait, l'apparition de nouveaux référentiels, notamment le sujet lié à la question de la séparation de la vente et du conseil. Notamment, l'idée derrière tout ça, c'est de vraiment dissocier le conseil pour qu'il soit indépendant et éviter aussi, bien sûr, qu'il y ait peut-être une hausse continuelle de l'usage ou de l'emploi des produits phyto. Et donc, nous allons maintenant voir un peu plus en détail pendant l'exposé le lien avec Egalim notamment et le référentiel lié aux distributeurs de produits phyto, car en fait, dans le référentiel, on parle aussi de la mise en avant, l'usage ou le conseil autour des certificats d'économie de produits phyto. Donc, au final, il y a les CEPP qui sont apparus, qui ont commencé à être dans le circuit agricole dès 2017, mais qui, là, depuis quelques semaines et quelques mois, prend de plus en plus d'ampleur, notamment avec l'application du dispositif dès 2021. Il y a bien sûr la loi sur les 3R, donc l'arrêt des remises rabais ristournes, le gros pavé avec la séparation de la vente du conseil et toutes les questions qui tournent autour de tout compte fait l'évolution des métiers du conseiller ou du technicien de conseil dans les coopératives et les négoces. Et on ne sait pas quelle sera la suite tout compte fait. Donc en fait, si on reprend un peu l'ensemble des détails entre la demande de la consommation, des consommateurs, des citoyens qui souhaitent avoir des productions agricoles utilisant moins de produits de synthèse, la consommation dans les étals de produits issus de ces agricultures dites de la montée en gamme, la faible mobilisation des coopératives et des négoces dans des projets visant aussi à accompagner la réduction d'usage des produits phyto lorsque cela est possible, bien, tout ça, en fait, ça a mené les pouvoirs publics à mettre en place ou à enrichir une boîte à outils visant, tout compte fait, à forcer un petit peu le trait et à encourager très fortement, si on peut dire comme ça, le monde agricole, notamment les opérateurs de la distribution, à faire évoluer leur approche. Donc, c'est vrai que la question de la séparation de la vente et du conseil pose de grosses problématiques au sein des coopératives et des négoces, notamment parce que ça remet en question, tout compte fait, la question de la préconisation, de la prescription, et de savoir comment on peut demain accompagner les agriculteurs dans cette recherche de rentabilité qui est quand même le métier, le cœur même de l'accompagnement des coopératives. Alors, merci Benoît pour cette introduction. Avant de passer à la suite et notamment de comprendre un petit peu quelle est l'articulation de cette volonté politique de réduire et de voir comment est-ce qu'au niveau de l'agriculture ça peut se traduire, je vous rappelle aussi que si vous voulez poser des questions, il n'y a pas de problème, vous avez des outils de chat, donc vous pouvez les poser au fur et à mesure, et moi je les relayerai à Benoît au fur et à mesure. Alors bien sûr, l'idée c'est d'être relativement concis, puis de poser une question qui est en rapport avec ce qu'on est en train de traiter, mais n'hésitez pas à intervenir. Donc Benoît, quelle est un petit peu l'articulation de tout ça? Donc, c'est vrai qu'au niveau de la séparation de la vente du conseil, on va voir apparaître maintenant un conseil dit obligatoire, donc appelé aussi le conseil stratégique, et après, du conseil qu'on peut qualifier de facultatif, même s'il ne l'est pas, c'est pour le coup, parce que le conseil dit spécifique à l'utilisation des produits phyto et l'accompagnement qui sera aussi proposé par les distributeurs, a vraiment de l'importance, mais il ne sera pas obligatoire, notamment pas obligatoire si on souhaite renouveler son certificat. Donc c'est vrai qu'il y a une forme de dénominateur commun entre tous ces types de conseils, entre le conseil dit stratégique et le conseil spécifique à l'usage des produits phytosanitaires ou l'accompagnement
qui sera proposé par les coopératives et les négoces, en fait, ce sont et donc c'est les recommandations autour des CEPP. Quel que soit, et donc dans les référentiels distributeurs ou dans les référentiels conseils, les conseillers, quel que soit le type de conseil, devront tous mettre en avant, proposer, faire la promotion des certificats d'économie de produits phytosanitaires. Donc il y a vraiment un cadre commun autour du conseil agricole qui se concentre autour des CEPP. C'est très très important à comprendre et en fait l'ensemble des personnes qui iront voir les agriculteurs ou les entrepreneurs travaux agricoles parleront, tout comme on fait, le même langage, le langage de la baisse d'usage des produits phytosanitaires concentrés autour des fiches actions dites CEPP. Donc en fait, si pour faire baisser l'usage et l'impact des produits phytosanitaires, ça c'est vraiment l'objectif hein, du dispositif CEPP, c'est un, on va essayer d'accompagner par la certification d'entreprise et en même temps la certification des professionnels, on va dire la distribution de l'usage des produits phytosanitaires, les entrepreneurs aussi par rapport à la prestation de services qu'ils peuvent proposer à leurs clients, et bien évidemment les exploitants agricoles, et en fait les référentiels, donc qui soient donc issus donc du projet Egalim ou le certif phyto, en fait amène un cadre, ça amène un cadre de travail, et si on ne répond pas à ce cadre, à ce référentiel, ou si on n'a pas le certif phyto, on ne peut pas, on ne pourra pas utiliser, vendre ou conseiller l'usage des produits phyto. Donc en fait, pour pouvoir à la fois être agréé, donc avoir la certification d'entreprise ou avoir une certification d'emploi ou d'utilisation de produits phyto, il va falloir en fait soit donc se faire certifier par un organisme certificateur, soit bien sûr passer donc ce qu'on va appeler le certif phyto lorsqu'on est agriculteur et aussi conseiller. Donc on va mélanger à la fois une certification d'entreprise dans le cadre des référentiels et en même temps la certification individuelle ou ce qu'on va appeler la certification professionnelle. Et dans tous les cas, il faudra parler de CEPP, que l'on soit distributeur ou que l'on soit conseiller indépendant. Et si on ne fait pas la promotion des CEPP, on aura des difficultés à pouvoir renouveler donc son accréditation ou à avoir son certif phyto. Donc ça, c'est important à bien prendre en compte que les CEPP sont au centre maintenant du conseil agricole. Et alors, comment dois-je m'y prendre tout compte fait pour valider des CEPP lorsque je commence dans cette démarche-là? Donc, il faut savoir aujourd'hui qu'il y a environ 1070 entreprises qui doivent déclarer des CEPP. Et donc, il y a une obligation de déclarer environ 16 millions de CEPP au niveau de la Ferme France. Donc, l'ensemble des distributeurs, pour atteindre les objectifs fixés par le ministère de l'Agriculture, doivent déclarer quasiment 17 millions de CEPP. Et si on regarde les sources issues donc des statistiques agricoles, donc Agrest, il y a 17 millions d'hectares de terres arables. Donc tout compte fait, de manière assez simple, on peut dire que pour un hectare en France de terres arables, il faut un hectare ou un équivalent CEPP. Et depuis donc 2017, qui a été l'année de lancement du dispositif CEPP dans plutôt une approche dite expérimentale, il y a depuis sur les trois années par exemple d'études entre 2017 et 2019 une hausse continue donc des déclarations faites par les coopératives et par les négoces donc de l'utilisation des fiches CEPP. Néanmoins, il n'y a que 400 entreprises qui ont déclaré pour le moment sur la plateforme. 400 entreprises sur les 1070. Donc au final, on a entre 40 et 45% des entreprises qui pour le moment ont utilisé et ont fait des déclarations. Donc il y a encore sûrement un gisement de CEPP qui va être mis en avant dans les prochaines années par les entreprises du monde agricole. Donc comme vous l'avez compris, c'est le ministère de l'Agriculture qui communique les objectifs à chaque distributeur, qui communique les objectifs et qui les distribue. Hein. Et donc, les distributeurs, donc coopératives, négoces ou tout acteur qui vend des produits phytosanitaires est appelé obligé. Et donc, les obligés doivent en fait proposer, mettre en avant
les pratiques ayant donc des CEPP aux agriculteurs, mais pas que, bien évidemment. Puis, ils doivent aussi donc archiver, donc notamment tous les CEPP qui seront en fait mis en place par les agriculteurs. Et donc, il y aura un référent donc dans chaque structure qui devra donc essayer de chapeauter le projet et surtout enregistrer dans une plateforme web l'ensemble des fiches d'action qui ont été réalisées pour le compte du distributeur. Puis donc après, il y aura une analyse en fait des déclarations par rapport aux obligations pour chaque distributeur, et donc un organisme certificateur indépendant vérifiera ces chiffres et vérifiera si tout compte fait, l'entreprise s'est donné les moyens pour atteindre les objectifs donc à réaliser. Donc, comment dois-je m'y prendre ? Eh bien, il faut avant tout définir un plan stratégique pour atteindre donc ces objectifs CEPP. Donc, ce n'est pas une logique de résultat, mais une logique de moyens. Il faut vraiment montrer à chaque organisme indépendant que le distributeur met tout en place pour essayer de récolter ou de mettre en avant ou de faire appliquer un maximum d'économies de produits phytosanitaires. Il faut aussi un référent CEPP dans chaque structure. Et donc, il faudra mettre en place, développer ce qu'on va appeler des actions de développement et des actions de promotion. Et donc, pour cela, il faut utiliser donc des fiches actions dites standardisées. Donc, ce sont des fiches qui sont disponibles. Il y en a environ 80 à l'heure actuelle. Et si, par exemple, la structure souhaite en créer, c'est possible. Donc, ça veut dire qu'on peut déposer, on peut créer une fiche action qui permettra aussi de permettre de rendre le dispositif CEPP adapté en lien avec la stratégie que chaque entreprise souhaite développer sur le terrain. Donc, au final, lorsqu'on crée une fiche action, on souhaite déposer une fiche action, ça peut être fait par n'importe qui ou n'importe quel acteur du monde agricole, hein, bien évidemment, que ce soit un producteur, un fabricant de produits phyto, un distributeur ou un collectif d'agriculteurs. On peut rédiger donc une fiche action. Donc, cette fiche action donc, va être communiquée à Maud Blanc, qui est la responsable du projet CEPP au niveau national, avec Christian Huyghe aussi, qui est lui le directeur et on va dire le directeur scientifique de l'INRAE. Et donc, en fait, les fiches d'action sont proposées donc, à une commission d'experts indépendants. Donc, la commission, si par exemple, elle trouve que la fiche n'a pas suffisamment de références scientifiques, techniques, permettant de garantir la baisse d'usage des produits phytosanitaires, dans ces cas-là, si la fiche est jugée non recevable, elle va être recommuniquée ou ça va être communiqué donc aux porteurs de projet, donc notamment aux acteurs qui auront rédigé les fiches avec des explications qui seront fournies par Maud Blanc. Et par contre, si la fiche est jugée recevable, dans ces cas-là, elle est communiquée donc à la DGAL qui après va la valider et mettra à jour donc la fiche sur son site. Alors, quels sont les risques encourus si, tout compte fait, je n'atteins pas mes objectifs CEPP ? Et il y a donc différents écarts possibles, il y en a au moins 10, et ces écarts-là, on les retrouve notamment dans le référentiel Egalim en lien avec les distributeurs. Et donc, il y a différentes questions qui seront posées chaque année donc aux coopératives et aux négoces notamment, qui utilisent ou qui vendent des produits phytosanitaires. Et donc, par rapport à ces questions-là, selon les réponses, il peut y avoir donc des mesures correctives à apporter avec des délais variables selon les écarts. Ça peut aller de 1 mois à 12 mois, bien évidemment. Et par contre, il peut y avoir des suspensions, c'est-à-dire des suspensions, des fermetures temporaires de coopératives ou de magasins de coopératives ou de négoces si, par exemple, ils ne répondent pas à des questions ou à des questions jugées très importantes, comme par exemple, y a-t-il un référent CEPP ? Est-il bien identifié ? Ou avez-vous mis en place un plan stratégique ? Et avez-vous tout compté ? Est-ce que vous vous êtes donné les moyens d'atteindre vos objectifs CEPP ?
Merci Benoît. Donc là, je pense qu'on a fait assez rapidement et de manière intense le tour de la question réglementaire de ces CEPP. On voit donc que ce sont d'énormes contraintes. C'est quelque chose qui c'est un dispositif qui est quand même assez coercitif. Je pense qu'il est temps de passer à la partie la plus positive, c'est de, comment est-ce que, d'une part, moi, je peux intégrer ce dispositif dans mon business model en tant que fournisseur de produits phytosanitaires, d'une part, et comment est-ce que ça peut être traduit de manière concrète. Puis, j'ai aussi envie de te poser une question, elle n'a pas été posée, mais c'est quelque chose qui m'interroge. La volonté du gouvernement, mais des gouvernements successifs, c'est d'interdire l'utilisation des produits phytosanitaires. Voilà, quelle est la volonté derrière, jusqu'où ça peut aller? Donc, en fait, la volonté en fait du ministère au travers du projet CEPP, c'est de ne pas interdire l'usage des produits phytosanitaires. En fait, ils veulent réduire, ils veulent accompagner la baisse d'usage. Et en fait, initialement, le dispositif CEPP visait à assurer une baisse au moins de 20% de l'usage des produits phytosanitaires. Au démarrage, lorsqu'il a été conçu, c'était vraiment un objectif pour baisser de 20%. Donc, en fait, aujourd'hui, les objectifs CEPP sont calés sur au moins cette diminution-là. Maintenant, c'est vrai qu'avec l'évolution des différents, on va dire, présidents et des différents ministres de l'Agriculture, la baisse, en fait, la baisse d'usage et la baisse de l'impact a aussi augmenté, où on est maintenant passé à une baisse de moins 50%. Néanmoins, pour le moment, les objectifs, on va dire, ou le calcul des objectifs CEPP n'ont pas encore été revisités. Par contre, ça pourrait être revu dans le futur, hein, bien évidemment, et peut-être que les objectifs CEPP seront peut-être plus importants dans les prochaines années. Quoi qu'il en soit, l'idée du ministère de l'Agriculture, c'est d'avoir une agriculture qui permette, qui fasse la promotion de l'ensemble des techniques alternatives à l'usage, bien sûr, des produits phytosanitaires. Mais néanmoins, je pense qu'ils sont conscients qu'il n'est pas possible de s'en passer, quoi qu'il en soit, de manière durable et à grande échelle, et cela pour toutes les filières. Donc, ils souhaitent vraiment qu'il y ait une forme de compromis qui soit trouvé. Et pour trouver ce compromis, ils ont mis en place cette mesure, on va dire dite CEPP, pour que l'ensemble des personnes qui conseillent ou qui accompagnent un agriculteur fassent la promotion en premier lieu des mesures alternatives afin d'encourager et que tout le monde porte la même voix autour de l'agronomie, tout compris. Donc, pour continuer, et notamment comment en fait je peux mettre en place le dispositif CEPP dans ma politique d'entreprise, eh bien déjà, il faut prendre en compte que le métier des agriculteurs va changer. Ça, c'est clair. À la fois, il y a des obligations réglementaires qui vont influencer, bien sûr, les choix stratégiques qui vont être pris donc, au sein des exploitations agricoles et aussi des démarches volontaires. Donc, il y a la PAC, bien sûr, et là, on est en pleine négociation et on voit encore, on parle aussi du verdissement, la question des enjeux climatiques, le carbone qui pourrait faire son entrée dans la rémunération tout compte fait des agriculteurs. Mais le certif phyto, on en a parlé tout à l'heure, où en fait, un agriculteur qui n'aura pas son certif phyto ne pourra plus acheter de produits donc, de protection des plantes. Il y aura aussi des contrôles. Donc, la DRAF qui va venir contrôler si les agriculteurs respectent bien les mesures, on va dire, liées au verdissement. Le conseil stratégique obligatoire pour les entreprises qui ne seront pas HVE 3 ou qui ne seront pas labellisées en agriculture biologique. Donc, on voit bien aussi que même les agriculteurs eux-mêmes et aussi les coopératives, les négoces, portent des démarches d'entreprise, des démarches de filière en lien avec la montée en gamme aussi des productions agricoles, comme les démarches CRC, les démarches IRTAC, le label AgriConfiance, notamment avec la coopération agricole, par exemple des contrats de production, notamment comme préférence ou label rouge. Et donc, on a vu aussi, il y a un essor depuis quelques années, même si ça reste limité, bien évidemment, donc du nombre d'agriculteurs ou d'agricultrices donc engagés en agriculture biologique, et aussi, là depuis aussi un an ou deux, il y a une dynamique autour de la certification
haute valeur environnementale. Et c'est, on l'a dit, dès lors qu'on est certifié HVE3 ou en AB, on n'aura plus besoin, donc bien sûr, d'avoir un conseil stratégique dit indépendant. Et donc les démarches, qu'elles soient donc en HVE, qu'elles soient autrement sur des contrats de production, elles sont aussi donc soumises à des contrôles. Donc ça peut être des contrôles soit mis en place par donc, l'organisme stockeur ou soit par des organismes certificateurs indépendants. Quoi qu'il en soit, on va voir que tout ça, ça va faire évoluer, ça va faire, on va dire, bouger les lignes et les agriculteurs vont demander donc un accompagnement différent, plus tourné vers l'agronomie, afin de pouvoir réussir à atteindre à la fois des objectifs permettant de concilier production, de la qualité et aussi, bien évidemment, de la rentabilité. Et donc, ce sont aussi les métiers que compte fait, ce qu'on va appeler du technicien conseil, du conseiller ou de l'ATC, ça dépend un petit peu les acronymes qui sont choisis, mais ça va changer. En fait, avant Egalim, alors de manière très, très simple, hein, bien évidemment, on pouvait dire que la logique visait à concilier donc agronomie, du conseil de qualité et aussi une préconisation de produits phytosanitaires, de produits de nutrition de la plante et de services. Et dès 2021, on va passer sur une logique donc, d'agronomique amplifiée, donc nous ce qu'on va appeler au niveau d'écosystème d'agronomie de précision, et en même temps il faudra faire la promotion de toutes les solutions alternatives à l'usage des produits. Et le terme de promotion est très important à comprendre. Donc, c'est vrai qu'on passe d'une logique de préconisation à une logique de promotion de solutions alternatives à l'usage donc, des produits phytosanitaires. Donc, il va vraiment y avoir de sacrés changements au niveau de la distribution française. Et donc, il va falloir utiliser les fiches CEPP déjà existantes, en créer, notamment pour essayer de peaufiner ou de faire en sorte que le dispositif CEPP convienne ou soit en phase avec les stratégies des entreprises, bien évidemment. L'idée étant de pouvoir après se démarquer sur le terrain avec des solutions alternatives innovantes. Il va falloir aussi revisiter peut-être aussi l'expérimentation, trouver et mettre en place des solutions aussi ou des études qui peut-être n'étaient pas forcément réalisées par les services agronomiques, des structures, mais dans ces cas-là, peut-être mettre en place de l'innovation et de la recherche là-dessus, et aussi, bien évidemment, former les équipes, former les cadres, former les agriculteurs, notamment à ce qu'on va appeler la transition vers l'agroécologie. Donc, il y a une montée en gamme en fait, des productions qui est souhaitée, tout compte fait, par le ministère de l'Agriculture. Il y a cette volonté de pouvoir faire en sorte que la France, la ferme France, se démarque au niveau du marché mondial par une production permettant de concilier donc productivité, qualité des productions et en même temps, on va dire une préservation donc des sols et de la planète. Et donc on a des structures agricoles de renom, des entreprises vraiment importantes en France qui emboîtent le pas. Notamment quelques exemples ici où il y a des entreprises qui souhaitent 100% de bio d'ici quelques années, du HVE ou des certificats en lien avec l'environnement, on va dire. Bien évidemment, l'objectif, en fait, c'est d'accompagner l'ensemble des agriculteurs dans une évolution des pratiques et leur donner le choix entre différents modèles de production, bien évidemment. Et il y a d'autres entreprises aussi qui essaient de communiquer sur le fait que certaines parcelles sont conduites en agroécologie. Donc, ça veut dire aussi que là, il y a un compromis qui est trouvé entre l'usage des produits de protection de synthèse et des produits dits alternatifs. Par ailleurs, il y a des démarches encore plus globales, notamment au niveau des entreprises, en lien avec notamment les démarches RSE. Et dans ces démarches-là, vont s'associer notamment des démarches en lien avec la préservation du climat et en même temps la préservation de la qualité des sols. Et tout ça réuni, ça peut faire en sorte qu'il y a une évolution, tout compte fait, des filières vers cette logique de promotion des solutions alternatives dans une, on va dire, une dynamique de système de culture. C'est ce qu'on va pouvoir voir dans les prochaines minutes. Merci Benoît.
pour toutes ces précisions. Alors, il y a une question de Michael Brunet que je vais te poser, puis je vais la compléter, qui demande quels avantages ou impacts pour les agriculteurs. Donc, on en a parlé un petit peu, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a une volonté politique forte et stratégique de requalifier les filières françaises vers davantage de qualité et donc on peut espérer davantage de valeur ajoutée. On voit bien que ça va faire bouger les lignes en interne chez les coopératives et les négoces en termes de politique commerciale, de formation des techniciens, etc. Mais quid de l'impact sur les agriculteurs? On sait qu'aujourd'hui, c'est plutôt une profession qui est en difficulté, avec un manque de visibilité. Comment faire pour que le remède ne tue pas le patient? Comment tu vois les choses en termes de progressivité, d'adaptation et là, je parle de la profession agricole. Très bien. Qui est très intéressante. Alors, on va prendre ça sous deux angles. Déjà, l'angle agriculteur. Donc, par rapport aux agriculteurs, c'est vrai qu'il va falloir tester, expérimenter chez vous au fil des années les solutions, on va dire, nouvelles, alternatives, on va dire, qui vous seront proposées. Il faudra aussi vous aider, bien évidemment, de tout, on va dire, le travail qui est réalisé donc par les équipes des services agronomiques et toutes les structures qui vont vous accompagner dans la compréhension sur comment utiliser ces nouveaux produits, comment les faire en sorte que, on va dire, ces solutions innovantes, ces solutions dites alternatives de biocontrôle ou naturelles ou que sais-je, vous permettent tout compte fait de garantir un niveau d'efficacité acceptable et surtout une rentabilité. Donc ça, c'est un premier point. Il va y avoir aussi besoin d'avoir, de travailler, de discuter avec vos fournisseurs sur, en tout compte fait, la compréhension de ces produits et comment bien les utiliser. Ça, c'est un premier point. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est que pour les agriculteurs qui seront capables, en tout compte fait, d'utiliser au mieux ces solutions dites, on va dire, alternatives, ben, d'une part, ils pourront plus facilement obtenir donc des certifications environnementales comme le HVE niveau 3 par exemple, et c'est surtout un moyen, une passerelle aussi pour recréer des liens avec les consommateurs, les citoyens, sans forcément aller dans des systèmes où on ne peut plus utiliser de produits phytosanitaires. Donc je trouve ça intéressant d'avoir ou de pouvoir essayer de trouver ce compromis permettant, on va dire, de ménager la chèvre et le chou. Puis après, donc, pour l'aspect des distributeurs, mais c'est vrai que ça va avoir aussi une influence assez forte, bien évidemment. Le fait de devoir en premier lieu faire la promotion des solutions alternatives, il va vraiment falloir former les équipes parce que ça va changer. Notamment, on va devoir vraiment parler et d'autant plus et de manière encore plus amplifiée d'agronomie à l'échelle donc de système, prendre aussi, on va dire, bien prendre en compte l'ensemble, on va dire, des contraintes d'une exploitation agricole. Donc en fait, on va passer, on va dire, ou on pourrait passer, parce que vraiment le conseil agricole a vraiment changé quand même depuis 10 ans, mais on va passer peut-être d'une logique dite de conseil, on va dire, standardisé à une logique vraiment de conseil individualisé. Notamment, l'idée étant de pouvoir adapter les solutions alternatives à chaque exploitation par rapport à ces types de sols, par rapport à ces ateliers de production, par rapport aussi à son organisation, mais surtout par rapport aux objectifs souhaités par chacun et chacune. Donc voilà des exemples, bien évidemment, l'idée étant, derrière tout ça, de pouvoir éviter par aussi la mise en place de solutions dites agronomiques, la présence, bien évidemment, des bioagresseurs. Donc, pour continuer dans ces échanges-là, on peut aussi prendre, si vous le souhaitez, quelques questions. Alors, il y en a une. Herman, nous avons entendu parler de dispositif CEPP sur les engrais. Avez-vous des informations là-dessus? De même pour la compatibilité entre les OAD et les distributeurs ayant choisi la vente, un changement est-il prévu selon vous? Alors, sur la question des engrais, aujourd'hui, je n'ai pas d'informations
précise. Néanmoins, il est possible en fait que dans le futur, des fiches actions en lien avec la nutrition des plantes puissent apparaître, notamment si, par exemple, il est montré, ou si, par exemple, les dépositaires d'une fiche action en lien avec la question de la nutrition des plantes démontrent en fait que cela permet de baisser l'usage des IFT. En fait, une fiche action ne sera validée par la commission uniquement si elle permet de prouver scientifiquement que cela va entraîner une baisse d'usage et une baisse d'impact des produits phytosanitaires. Donc peut-être qu'une plante bien nourrie, une plante qui a suffisamment d'énergie, pourrait aussi être moins sensible donc, de compter aux bioagresseurs. Et ça pourrait être intéressant, ça, de l'étudier clairement, de voir quel pourrait être l'impact des acides aminés ou de, on va dire, des biostimulants, notamment sur tout compte fait la réduction de la vulnérabilité des cultures. Ça, c'est un premier point. Donc, à étudier, mais c'est vrai qu'à mon avis, il y a des pistes à creuser là-dedans. Puis, sur la question donc, des OAD, eh bien, au jour d'aujourd'hui, à l'heure actuelle, les fiches d'action OAD permettent aux structures donc, de recueillir des fiches d'action. Je n'ai pas d'informations de mon côté pour savoir si il y aura une remise en question, on va dire, de cette organisation et si, par exemple, les distributeurs ne pourront plus ou ne pourront pas, on va dire, utiliser donc, les OAD pour accompagner tout qu'on fait les agriculteurs. Donc, affaire à suivre, bien évidemment. C'est vrai que ça sera important. Donc, on ait une lecture assez fine de savoir dans les prochaines années si les structures peuvent utiliser ces outils-là pour accompagner, dans le cadre de leur accompagnement, le positionnement, donc bien sûr, des produits phyto lorsque les agriculteurs souhaitent en utiliser. Merci Benoît. Donc, il n'y a pas de questions pour l'instant. Je propose qu'on le temps défile, qu'on continue et qu'on aborde la partie suivante qui, je pense, va beaucoup intéresser nos auditeurs. C'est comment est-ce que je peux concilier justement ma politique commerciale avec le dispositif CEPP. Eh bien, donc, on va rentrer dans le sujet. C'est vrai que là, on vous propose un schéma simplifié donc, d'une campagne commerciale. Bien évidemment, hein, c'est réducteur, mais l'idée étant de pouvoir parler à tout le monde. Donc, c'est vrai qu'il va être important de pouvoir intégrer lors des lancements de campagne ou lors des réunions ou lorsqu'on réunit l'ensemble des équipes et des forces vives du terrain, de leur parler, donc notamment des fiches actions CEPP. En fait, il va falloir que l'on crée dans le monde agricole ou dans le monde de la distribution, des mortes saisons CEPP intégrées, bien évidemment, dans le calendrier hein, de relations, on va dire, et d'accompagnement des techniciens mis en place auprès des agriculteurs. Donc, c'est important et ça va être important durant ces moments-là, ces journées-là, de vraiment faire la promotion des OAD, faire la promotion aussi des adjuvants ou tout ce qui est technique permettant de réduire la présence des insectes ou des techniques alternatives permettant aussi de réduire la présence de maladies, ainsi de suite. Et donc, la génétique va prendre de plus d'ampleur dans le futur, ainsi que potentiellement tout ce qui est lié à l'optimisation des pratiques ou aux stratégies d'évitement, notamment avec la question du désherbage mécanique, par exemple. Donc, il y a plein d'exemples à creuser et à travailler. Et ça va vraiment donner beaucoup de travail et de motivation au service agronomique de chaque structure. Donc, c'est vrai, après, tout compte fait, mais quels sont les leviers qui sont disponibles au sein de ma structure? On peut se poser ces questions-là. Et à l'heure actuelle, il y a à peu près 80 fiches actions hein, qui ont été déposées avec cette ventilation. Donc, il y a des variétés. Donc, il y a vraiment des fiches actions en lien avec la résistance ou la tolérance variétale. Donc, il y a des fiches actions en lien avec l'utilisation des outils d'aide à la décision, appelés aussi OAD. Il y a des fiches actions en lien avec la question de la réduction de la quantité utilisée, donc ce qu'on va appeler aussi lié à l'optimisation des pratiques, les méthodes alternatives, bien évidemment, donc ça va être les biocontrôles, les stimulateurs des forces naturelles, et les nouvelles pratiques agronomiques. Et donc là, c'est plutôt en lien avec notamment la diversification, notamment des cultures. Et si on regarde le nombre de fiches par grand levier, on s'aperçoit qu'à l'heure actuelle, il y a une majorité des fiches qui ont été proposées dans les méthodes alternatives. Il y a quelques fiches en lien avec la diversification des cultures. Il y a des fiches en lien avec les stratégies d'optimisation des pratiques, ainsi de suite. Quoi qu'il en soit,
Il y a au jour d'aujourd'hui un peu moins de 80 fiches. Il y a une fiche qui a été mise, donc, on va dire, en fin de validité parce qu'elle n'a pas fait ses preuves. Puis donc après, donc on a les fiches actions, on a donc ce pool de fiches actions, mais il va falloir aussi réfléchir de manière agronomique. Et donc c'est le concept hein, d'agronomie de précision qui est cher à l'écosystème, qui est de dire, mais essayons d'identifier quels sont les leviers alternatifs à l'échelle, on va dire, de mon système de culture. Quelles est ou quelles seraient les meilleures combinaisons de cultures qui vont me permettre de garantir à la fois le meilleur niveau de rentabilité sur ma ferme, quelles sont les cultures, on va dire, les plus intéressantes pour moi d'un point de vue économique, mais aussi quelles seront celles qui me permettront de réduire la présence soit des mauvaises herbes problématiques, soit des insectes, soit des maladies. Donc, il va falloir réfléchir avec son conseiller, son technicien, sa structure à quelle est tout compte fait la meilleure combinaison possible dans une logique pluriannuelle. Et après, intégrer donc les leviers de gestion agronomique, qu'ils soient donc liés à l'action sur le stock de la population. Donc là, on parle par exemple comment réduire mon stock de régras, par exemple, avant donc une culture d'automne. Les stratégies liées à l'évitement, notamment comment je peux éviter la présence de méligettes dans mes colzas qui pourraient venir pénaliser donc ma floraison. Comment je peux aussi atténuer, par exemple, la présence de septoriose ou de rouille dans mes céréales. Et tout compte fait, comment je peux faire barrière à la présence de tel ou tel insecte. Et donc, pour chaque levier ou grande stratégie, on va dire, agronomique, on peut dedans réfléchir, et ça va être le travail aussi du référent CEPP en lien avec le service agronomique et le service marketing de chaque structure, à quel type de fiche, quelle fiche action tout compte fait peut être mis là-dedans. L'objectif étant bien sûr de proposer aux techniciens, on va dire, des itinéraires techniques revisités, complémentaires, associant fiches CEPP, agronomie et bien sûr utilisation, on va dire, raisonnable et optimisée des produits phytosanitaires. Donc il y aura aussi une forme de progressivité qui va se mettre en place, bien évidemment. Il ne va pas falloir passer de tout à rien, où il va vraiment falloir accompagner au fil des années l'utilisation de ces produits-là qui vont être très techniques dans le sens où on va aussi devoir apprivoiser la nature, bien prendre en compte aussi, on va dire, les pressions liées à chaque, on va dire, exploitation. Donc il va falloir vraiment affiner son conseil. Donc ça, c'est l'exemple tout compte fait donc au niveau du blé tendre. Donc on va faire un focus sur cette culture-là. Et au niveau du blé tendre, potentiellement, il pourrait y avoir 23 fiches CEPP. 23 fiches CEPP, en fait, il y en a à peu près une vingtaine qui fiches CEPP qui sont dites multicultures. Donc multicultures, donc ayant une homologation entre guillemets sur des céréales, mais ça peut être aussi d'autres cultures comme des oléages protéagineux. Et il y a quatre fiches à l'actuelle qui sont spécifiques à la culture du blé tendre. Donc ça, c'est un premier point, c'est qu'il y a déjà un potentiel, il y a un réservoir. Bien évidemment, dans ce réservoir, on ne peut pas tout utiliser. Donc après, il va falloir identifier quelles sont les fiches qu'on peut utiliser. On peut aussi avoir une logique de classement en ce sens-là, où on a des fiches actions qui sont utilisables en pré-semis, c'est-à-dire vraiment dans une logique de système où il faut vraiment, là, ça va être typiquement les fiches liées à la diversification des cultures. Ça va être aussi par exemple, des fiches liées au choix génétique qui vont se faire avant les semis. Donc ça, c'est important. Il y a des fiches actions qui sont vraiment à préconiser ou à utiliser ou à en faire la promotion durant, on va dire, la période végétative hein, de la culture. Donc ça va être notamment tout ce qui est lié à l'adjuvantation. Ça va être aussi tout ce qui est lié donc, à l'utilisation donc, des outils d'aide à la décision, bien évidemment. Ça peut être aussi des méthodes alternatives, hein, bien évidemment. Et après, il y a aussi des fiches liées au stockage des céréales. Donc ça, c'est important à prendre en compte parce qu'il y a quand même, il y a aussi un pool, un réservoir de CEPP à aller chercher dans ces fiches-là. Donc si on continue notre focus sur le blé tendre et qu'on regarde, on va dire, levier par levier les fiches qui sont disponibles, donc pour le levier des méthodes alternatives, donc on a on va appeler tout ce qui est la biostimulation. Et ça fait écho tout à l'heure avec la question d'Hermann sur la question de tout compte fait. Est-ce que demain, on pourrait voir arriver des fiches en lien avec la nutrition des plantes?
et la stimulation tout compte fait des plantes. Donc ça peut être soit de la stimulation des défenses naturelles, mais ça peut être aussi peut-être une forme de stimulation de défense par l'angle de la nutrition. Puis après, tout ce qui est lié à la gestion donc directe des bioagresseurs. Et donc là, si on répartit les fiches selon, on va dire, la gestion des adventices, des limaces, des insectes ou des maladies, et bien là, on va voir apparaître donc des fiches en lien avec donc les OAD ou notamment la question de l'optimisation des pratiques. Et c'est vrai que l'agriculture de précision va aussi prendre de l'importance dans le dispositif CEPP, ainsi que toutes les techniques visant à réduire donc l'impact de l'usage des produits phyto. Et donc, dans ce cas de figure-là, on s'aperçoit qu'on peut utiliser ou mettre en avant 10 fiches CEPP. Donc, c'est vrai qu'on passe d'un potentiel, on va dire, de 23 friches à un cas concret où là, tout compte fait, et une réduction tout compte fait hein, des fiches utilisables. Et on pourrait imaginer donc une forme d'itinéraire technique faisant au moins la promotion de 10 fiches. Et voilà un petit peu comment ça peut se traduire avec des produits. Alors, bien évidemment, hein, ce n'est pas une liste exhaustive de l'ensemble des spécialités commerciales qui sont référencées. Veuillez nous en excuser, mais on ne pouvait pas non plus faire ce cas concret en mettant l'ensemble des produits. Quoi qu'il en soit, on peut très bien imaginer faire une biostimulation avec un produit, passer ou préconiser, on va dire, grâce à on va dire un conseil d'un conseiller, le passage d'une RC-trille, ainsi de suite, comme vous le voyez au niveau de l'ensemble de la fiche, différents produits, différentes techniques qui feront aussi l'objet donc, de CEPP. Donc, on l'a dit, il va falloir aussi, si possible, dans certains cas de figure, accompagner donc, les agriculteurs dans, on va dire, leur stockage. Et donc là, il y aura aussi des fiches à aller chercher, notamment en lien avec l'accompagnement, notamment de la maîtrise, on va dire, de la température, de l'humidité, ou tout ce qui est lié à la prévention des risques. Donc au final, voici donc une proposition d'itinéraire technique, on va dire revisité par écosystème, où on s'aperçoit qu'on peut utiliser donc de la génétique sur du blé tendre, qui est intéressante, qui permet à la fois de concilier rendement, qualité, protéines, et en même temps, et on va dire une forme de tolérance ou d'acceptation par rapport à certaines maladies, comme la septoriose. En rouge, donc, j'ai mis donc un traitement de semences, bien évidemment. Comme vous l'avez compris, hein, on est modéré, on essaye de trouver une solution, une opportunité pour pouvoir concilier, on va dire, à la fois la production et en même temps, on va dire, cette montée en gamme de l'agriculture, répondant aux enjeux de la filière. On peut aussi imaginer, pourquoi pas, faire des aménagements avec des bandes mellifères dans certains cas de figure. Notamment, ça peut aussi répondre aux enjeux donc, des SIE, pour ceux qui pourraient être limités et qui n'auraient pas leur 5% de SIE. Mais aussi, ça peut favoriser la présence de carafes dans les parcelles ou la présence, on va dire, de syrphes ou d'auxiliaires qui vont aussi être complémentaires pour venir, on va dire, apporter, on va dire, soit de la pollinisation, soit, on va dire, de la prédation, bien évidemment. Tout ce qui est lié aussi aux enjeux de l'agriculture de précision avec des OAD ou on va dire tout ce qui est le guidage GPS, des coupures de tronçons, on va dire toutes ces techniques d'optimisation intraparcellaire qui sont intéressantes. Bien évidemment, l'utilisation d'adjuvants hein, qui est très intéressant aussi pour optimiser ces pratiques, faire en sorte qu'on applique le bon produit au bon moment, à la bonne dose, au bon endroit et qu'il soit efficace, qui est très important bien évidemment. Et après, bâtir des stratégies de lutte contre les bioagresseurs en utilisant, quand c'est possible, bien évidemment, des solutions naturelles. Là, on a l'exemple du phosphate ferrique et avec aussi le Spando qui est un outil qui permet d'utiliser au mieux, on va dire, d'épandre au mieux les granulés. Le soufre aussi qui a pris de l'ampleur hein, depuis pas mal d'années, notamment dans les programmes de protection des plantes. Bien évidemment, mais l'utilisation de produits phyto, si c'est nécessaire, selon les années, en lien avec aussi les recommandations des modèles. Voilà. Donc, voici des exemples, ou un exemple d'un itinéraire technique revisité, qui, bien sûr, qui doit permettre en fait, de réfléchir et d'alimenter la réflexion. Il y a plein de combinaisons possibles, tout qu'on fait à imaginer. Il va falloir, donc, dans le futur, créer et réfléchir à des itinéraires techniques donc permettant à la fois d'avoir un coût vraiment acceptable pour les agriculteurs et surtout un niveau de protection vraiment efficace.
Et donc, si on regarde un petit peu et qu'on calcule produit par produit, tout compté, qu'est-ce que ça a amené en termes d'équivalent CEPP et aussi surtout quel est le coût de ce programme-là. Donc là, c'est l'exemple pour 25 hectares de blé. J'ai simulé, par exemple, la rédaction d'un bon de commande faite par un distributeur. Donc là, on ne prend pas en compte, bien sûr, tout ce qui est la gestion des pucerons, parce qu'il y a pu y avoir une technique donc, de décalage de semis, par exemple. Je n'ai pas non plus modélisé donc, le coût de la fertilisation, ni bien sûr l'achat de matériel. Donc, quoi qu'il en soit, dans ce programme-là, on est autour des 280 euros de l'hectare, en sachant que j'y ai introduit donc, le coût de l'accompagnement, l'accompagnement premium ou l'accompagnement qui peut être proposé, notamment ce qu'on va appeler la facturation du conseil faite par les distributeurs, afin aussi de mettre une valeur sur cet accompagnement qui peut être proposé par les structures. Et donc, on arrive donc à 280 euros de l'hectare. Et si on regarde les chiffres fournis par Arvalis, Institut du Végétal ou par le CERF France, on s'aperçoit qu'en moyenne, on va dire dans le modèle qu'on a connu par le passé, on était autour des 285 euros de l'hectare. Bien évidemment, il faudra après affiner selon les régions, selon les départements, selon les terroirs. Et ce coût-là ne prenait pas en compte non plus le coût, on va dire, de l'accompagnement premium, le coût de l'accompagnement du service souhaité et mis en place par des distributeurs. Donc, on peut imaginer être sur des logiques quasiment d'investissement équivalentes, ISO, on va dire, pour les agriculteurs. Donc, je trouve ça intéressant. Et il y a sûrement encore peut-être des économies à aller chercher, notamment grâce aussi à tout le pouvoir, toute la force que peut aussi amener l'agronomie à l'échelle du système de culture que l'on ne peut pas mesurer. Et au final, on s'aperçoit que le système proposé dans le cas concret du blé tendre nous a permis de générer 2,4 CEPP hectare. Et donc, c'est intéressant parce qu'on est à 2,4 CEPP notamment sans l'accompagnement, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer tout compte fait que les distributeurs fassent ou déposent des fiches d'action pour tout compte fait essayer de pouvoir mettre une valeur de certificat d'économie de produits phytosanitaires sur la valeur du conseil, la valeur de l'agronomie qui est proposée par leurs conseillers. Donc on pourrait en fait avoir encore un potentiel plus élevé. Donc ça c'est un premier point. Le deuxième point c'est qu'on est à 2,4. Et tout à l'heure, on a dit qu'il fallait environ, pour un hectare de terre cultivée, un CEPP. Donc, ça montre qu'on peut peut-être arriver à atteindre des objectifs tout compte fait fixés par le ministère. Il va falloir qu'on se donne les moyens de proposer, de présenter progressivement, pas à pas, les nouvelles techniques permettant d'accompagner cette montée en gamme de l'agriculture de manière à faire en sorte qu'on trouve ce compromis répondant aux enjeux des agriculteurs avant tout, des distributeurs, mais aussi des citoyens. Merci beaucoup Benoît. Pardon, merci beaucoup Benoît pour ces précisions. Vous voyez que on est parti de quelque chose de très très généraliste et qu'on arrive à réellement rentrer dans du concret, aller jusqu'à des itinéraires techniques. Et c'est ça que je pense qui est important quand on parle d'agronomie, quand on parle d'agriculture. C'est de ne pas se contenter d'idées générales, mais de voir justement dans l'existant bah, quels sont les bras de levier. Vous voyez qu'on a pas mal d'opportunités. Alors, il y a une nouvelle question d'Herman et que je compléterai, qui me semble très intéressante, qui dit « Peut-on, en tant qu'agriculteur, céder ses CEPP, entre parenthèses, acquis à l'achat de matériel, à un distributeur qui n'est pas celui qui nous a vendu le matériel ?» Donc, en fait, si je reformule la question… On voit bien dans ce que tu as dit que tant que ça concerne des produits alternatifs ou des évitements, donc du conseil, c'est quelque chose qui va rester dans le champ strictement de la relation commerciale entre un conseiller et l'agriculteur. À partir du moment où on doit faire la preuve, tu as parlé tout à l'heure de désherbage mécanique par exemple, ou d'agriculture de précision. Agriculture de précision, ça peut être de la localisation de machines par satellite. Ça peut être l'acquisition de nouvelles buses, etc. Dans ce cas-là, quelle est la relation? Ça change la relation puisque là, il y a un autre fournisseur qui est le fournisseur de matériel.
Est-ce qu'on va assister à la naissance d'un nouveau marché où l'agriculteur dit « tu me vends des produits et puis je te revends des CEPP » Est-ce que ça, ce n'est pas un effet pervers du système et comment ça va se passer? Au démarrage du projet, il y avait ce qu'on appelle des éligibles. Donc ça, c'était des structures qui ne vendaient pas des produits phytosanitaires et qui pouvaient, tout compte fait, quoi qu'il en soit aussi, par contre, en recueillir des CEPP. Et donc, elles pouvaient, on imaginait au départ, ou le protocole expérimental des CEPP imaginait au départ faire en sorte que les éligibles puissent, tout compte fait, être financés par de la revente de CEPP, parce qu'il y avait une valeur financière qui avait été mise en fait, sur chaque, on va dire, CEPP. Le dispositif, comme il est au jour d'aujourd'hui, il n'y a que des obligés, il n'y a plus d'éligibles, il n'y a plus de primes ou de valeurs au CEPP. Donc ça, c'est un premier point, je trouve ça très bien. C'est aussi intéressant parce que ça évite ou ça va limiter cet effet pervers de monétarisation ou de marché noir du CEPP, si on peut le traduire comme ça. Après, par rapport à la question d'Hermann, un agriculteur qui a donc acheté par exemple une RC-trille peut, s'il le souhaite, le revendre, vendre son certificat à la coopérative ou au négoce. Rien ne l'interdit aujourd'hui dans les textes. Par contre, quand on est sur une logique de moyens, c'est pareil, rien n'oblige le distributeur à lui acheter son CEPP, tout compte fait. Si par exemple le distributeur montre à l'organisme de certification comme quoi il s'est donné l'ensemble des moyens pour faire la promotion des CEPP, qu'il a formé les équipes, qu'il a communiqué auprès des agriculteurs, qu'il a mis en place des essais alternatifs, l'organisme indépendant ne pourra pas vérifier que tel ou tel agriculteur souhaitait vendre, un certificat d'économie de produits phytosanitaires. Donc, rien ne l'interdit, mais je ne vois pas pourquoi ça se ferait. Donc, si on continue maintenant dans le déroulé, quelles pourraient être les nouvelles perspectives, tout compté, ou les nouvelles opportunités que vont nous amener les CEPP, si on voit ça vraiment du côté positif de la chose. Déjà, je pense que si on regarde ce schéma qui nous du nombre d'actions standardisées, donc en 2019, par levier, on s'aperçoit que bien sûr les méthodes alternatives, et c'est là où il y a le plus de fiches aussi, sont les plus représentées, bien évidemment. Puis après, par contre, il y a peut-être un point sur lequel on pourrait faire un focus, ce sont l'utilisation et la vente d'abonnements aux OAD. Et en fait, ça ne représente que 11% des leviers à l'échelle du dispositif, et sûrement qu'il y a un gisement ici, là, pour les distributeurs, notamment dans l'accompagnement des agriculteurs à bien utiliser les produits phyto, faire les bons choix de doses et les utiliser au bon moment et même, pourquoi pas, faire des impasses quand c'est possible. Donc là, je pense qu'il y a sûrement quelque chose à travailler autour de l'accompagnement et l'usage massif des OAD, toutes filières confondues. Par ailleurs, il y a des perspectives, on l'a évoqué, avec la mise en place d'essais, revoir peut-être les protocoles d'essais en lien avec les fabricants de produits aussi, les distributeurs, l'ensemble des instituts techniques, l'ensemble, du monde agricole, afin de créer peut-être des pools d'essais, c'est-à-dire regrouper peut-être à l'échelle soit d'un institut, soit d'un organisme centralisateur, un protocole commun d'essais, et faire en sorte que les structures, qu'elles soient coop, négoce, puissent proposer des fiches actions nouvelles en lien avec leur stratégie et les soumettre donc à la commission avec un réseau d'essais robuste, efficace, fiable, permettant tout compte fait de faire évoluer l'offre en fiches actions. Et donc ça, c'est des exemples aussi avec l'agriculture connectée, l'agriculture de la troisième voie, l'agriculture qui est mise en place au niveau et la recherche et le développement qui est mise en place au niveau des structures, faisant le lien entre notamment l'agronomie. Donc, j'ai eu la chance d'avoir des photos de la coopérative Océalia sur un essai sur notamment le désherbage mécanique et l'utilisation par exemple de nutrition de la plante et l'impact notamment de la nutrition de la plante
sur la réduction de la vulnérabilité à certains bioagresseurs. Il y a aussi des projets faisant le lien avec la data et tout ce qui est en lien avec, on va dire, ce qu'on va appeler nous la ferme digitale, mais tout ce qui est autour des données qui vont aussi nous aider, tout compte fait, à essayer peut-être d'identifier au sein des structures agricoles, au sein des distributeurs, quels seraient les profils d'exploitants ayant les meilleurs rendements, ayant la meilleure productivité et aussi ceux qui utilisent le plus de CEPP. Et donc ce schéma nous permet de voir tout compte fait, de manière assez caricaturale par exemple, que peut-être qu'on pourrait avoir un profil ou on va dire un pool d'agriculteurs se situant donc dans le carré vert foncé, ayant tout compte fait un niveau de CEPP supérieur à 2 ou entre 1 et 2 et ayant tout compte fait aussi les meilleures rentabilités. Et donc c'est avec ces agriculteurs-là qu'il va falloir travailler, identifier grâce aux bases de données, grâce on va dire ce qu'on va appeler au data lab, grâce aux opérateurs qui de la sphère on va dire de la gestion des données agricoles, qui vont nous aider, ce qu'on fait, à identifier, à discriminer, à identifier quels sont les agriculteurs pionniers sur lesquels on va pouvoir s'appuyer pour aussi faire la promotion à grande échelle de ce dispositif, qui souhaite, tout compte fait, vous l'avez compris, accompagner durablement la baisse d'usage et la baisse de l'impact des produits, sans forcément, bien évidemment, arrêter l'emploi. Donc, merci à toutes et à tous pour votre écoute active. Je vais donc donner la parole désormais à Mathieu et j'attends, bien sûr, vos questions avec grande attention. Merci Benoît. On arrive à tenir les horaires, ce qui est assez rare en ce qui nous concerne. Ça fait une heure qu'on est ensemble. On va terminer ce webinaire. Je vois que dans le chat, il n'y a pas de nouvelles questions. Alors j'espère que ça vous a plu. L'idée pour nous, c'était de voilà d'organiser assez régulièrement des points d'info sur l'évolution de l'agriculture. Alors là, on s'est focalisé sur les CEPP parce que c'est un sujet d'actualité et qui aujourd'hui est correctement cadré et mûr pour qu'on puisse s'exprimer dessus. Alors bien sûr, on reste à votre disposition hein, si vous avez envie de creuser le sujet. Pour vous dire aussi qu'on fera sans doute sur le même format un sujet sur l'agriculture du carbone et filière bas carbone à l'automne prochain. On se laisse un petit peu de temps parce que vous savez que notamment la certification label bas carbone au niveau des grandes cultures ben, prend un petit peu de retard. C'est voilà, des sujets qui sont encore un petit peu en attente. Mais quand on aura suffisamment d'éléments pour vous amener de l'information solide, je pense qu'on reviendra sur le sujet. Et puis bien sûr, ben, comme vous êtes inscrit, vous recevrez l'information si vous avez envie de vous connecter. Voilà. Je vous remercie. Merci Benoît. Merci aussi à la technique derrière Nicolas et Arnaud. Et puis, je vous dis à très bientôt.